Enquête sur une usurpation d'identité. L'objet est connu, connu et particulièrement bien mis en valeur. Connu, car il orne des couvertures de livres. Il illustre des manuels scolaires, depuis que ces derniers sont illustrés, comme ici le célèbre Malais Isaac de 1932. Particulièrement bien mis en valeur, car si vous allez au département des objets d'art du musée du Louvre, il ne peut pas vous échapper. Il est dans la première vitrine, à la place d'honneur, lorsque l'on pénètre dans l'aile Richelieu. Maintenant, si nous demandons qui est ce cavalier, les choses se compliquent. Elles se compliquent d'autant plus que s'il y a des gens parmi vous qui ont un jour posé leur postérieur sur une selle, ils peuvent admirer la virtuosité du personnage. Ils montent à cru, pour ceux qui ne seraient pas sans selle, et conduit sa monture sans guide, sans rêve. Ce qui nous donne immédiatement une indication sur la période à laquelle peut avoir été fabriquée tout ou partie de la statuette. Car l'une des premières questions que doit toujours se poser un historien est celle de l'inscription dans la chronologie. De quand date un vestige archéologique, une image ou un texte? Pour être plus trivial, je la résumerai d'un adjectif interrogatif, quand. Et cet adjectif interrogatif, quand, c'est l'intitulé de ma première partie. Il n'est pas évident de répondre à cette question, car la tradition du portrait équestre, la représentation d'un homme à cheval, est ancienne. L'une des plus célèbres est aujourd'hui au musée capitolin de Rome et fait quand même quelques 4,24 m de haut pour 3,87 m de long. Elle représente un empereur romain. Alors notre inconnu du Louvre serait un empereur romain. Pour trouver la réponse, je vous propose de jouer au jeu des 7 erreurs. Ou plutôt, de comparer mon inconnu du Louvre avec la statue qui était autrefois sur la place du Capitole à Rome. Immédiatement, les différences sautent aux yeux. Ce n'est pas qu'une question de taille, même si la statuette parisienne mesure 23,5 cm de hauteur pour 17,5 cm de large, poids plume à côté de ce personnage. Le monument romain n'offre pas la même représentation du pouvoir politique. Si nous ne pouvions l'identifier en la rapprochant d'autres effigies qui permettent de savoir que ce cavalier est Marc Aurèle qui est un empereur romain qui a régné entre 161 et 180, rien dans l'image ne nous permet de l'identifier comme un souverain. Le seul attribut qui le différencie d'un sénateur est la posture équestre et le manteau du général. A l'inverse, le cavalier parisien est pourvu de nombreux attributs qui vont nous permettre de le dater avec une certaine précision. J'ai employé ici un mot inconnu pour vous, dont le sens précis vous échappe. Attribut. Qu'appelle-t-on un attribut? Un attribut est un objet, une couleur parfois, un animal plus rarement, qui permet de reconnaître tel ou tel individu dans une image, que celle-ci soit en deux ou trois dimensions. Ainsi, si vous voyez un personnage avec une barbe et une clé, vous êtes en face, très probablement, d'une représentation de Saint-Pierre. Si vous êtes en face d'une image où un personnage accompagné d'un lion
écrit, vous êtes en face de Saint-Marc. Si vous voyez un personnage avec un manteau bleu orné de fleurs de lys, personnage de surcroît portant une couronne, c'est un roi de France qui est peint. Ici, notre cavalier porte toute une série d'attributs que nous allons détailler à différents moments de mon exposé. Pour l'heure, arrêtons-nous sur son seul couvre-chef. Il porte une couronne. Si nous revenons à notre point de départ, Marc Aurèle, ce dernier est tête nue. L'empereur romain, jusqu'à une date avancée, n'est pas couronné. La couronne est le symbole de la royauté, et depuis le renversement de Tarquin le Superbe et l'avènement de la République, les Romains avaient le nom de roi en horreur. Notre cavalier, le cavalier parisien, notre cavalier est couronné, il ne peut donc être un empereur romain. Un autre attribut que l'on voit sur notre cavalier quand on le regarde de dos ou de profil nous éloigne de Rome. Le fourreau d'une épée. Cet attribut qui souligne les fonctions guerrières de notre cavalier est redondant. En effet, il porte aussi le manteau, qui est l'insigne du général romain. Une telle répétition nous éloigne de Rome. Notre cavalier a donc de fortes chances d'être un cavalier médiéval. Ce qui ne nous avance pas beaucoup, puisque, comme vous le savez, le Moyen-Âge dure quand même presque un millénaire. Vous venez, tel M. Jourdain, sans vous en apercevoir, de mettre en pratique l'une des règles du métier d'historien. L'historien ne doit jamais recevoir un document sans se poser un certain nombre de questions. Ces questions viennent du document lui-même. On appelle ce procédé la critique interne. Quand la question vient d'autres sources, quand on utilise d'autres sources, on parle de critique externe. Dans le cas qui nous intéresse, la critique externe vient des textes conservés aux archives du musée du Louvre. Ils nous permettent de retracer le parcours de cet objet et peut-être d'en cerner la date avec précision, car, comme tous les musées du monde, le musée du Louvre, c'est là l'une de ses missions, le musée du Louvre doit inventorier, conserver et étudier les pièces qui composent ses collections. Si le cavalier fait partie des collections des musées depuis longtemps, il n'y a pas 100 ans qu'il est au Louvre. Jusqu'en 1934, il était au musée Carnavalet. S'il y a parmi vous des habitants de la bonne ville de Paris, ils savent que le musée Carnavalet est dédié à l'histoire de Paris. Donc, mais c'est une hypothèse, notre cavalier pourrait avoir quelques relations avec l'histoire de Paris. Ce que pourraient confirmer les épisodes précédents de ses aventures. Avant de rejoindre les collections du musée Carnavalet en 1880, il était exposé à l'hôtel de ville. Il y était notamment au moment du grand incendie de 1871. Autant dire, si vous me permettez un mauvais jeu de mots, autant dire qu'il a eu chaud. Notre cavalier parisien avait été, auparavant, la possession d'un collectionneur privé, Evans
Lombs, entre 1837 et une date indéterminée, après 1865. Mais, si nous remontons un peu plus haut, l'hypothèse parisienne va être mise à mal. En effet, jusqu'en 1837, date de sa dispersion, la statuette faisait partie des collections d'Alexandre le Noir. Le nom que je viens de prononcer est probablement inconnu parmi vous. Bien, normal. Il est pourtant celui d'un personnage clé de l'histoire du patrimoine de notre pays. Il renforce ainsi l'hypothèse que nous avons bâtie et qui voudrait que notre inconnu soit un cavalier médiéval. Alexandre le Noir est le fondateur du Musée des Monuments Français. Le 2 novembre 1789, la Constituante, première assemblée française, décide, je cite, « de mettre les biens du clergé à la disposition de la nation. Le couvent des Petits Augustins, devenu aujourd'hui l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, le couvent des Petits Augustins, situé quai Malaquais, devient un dépôt dans lequel sont rassemblés un certain nombre d'objets qui devront ensuite être vendus, qui être fondus, qui promis au futur muséum central de la République. Le Noir est évincé de l'équipe chargée de gouverner le dit muséum. Il se rabat donc sur le dépôt des Petits Augustins qu'il va transformer en véritable musée lapidaire. Au point que le 21 octobre 1795, le dépôt est transformé, je cite, en « musée historique et chronologique, où l'on retrouvera les âges de la sculpture française dans les salles particulières, en donnant à chacune le caractère, la physionomie exacte du siècle qu'elle représente. » Fin de citation. Il va sans dire que la rigueur scientifique n'était pas au rendez-vous. Le lieu devait être ménagé, devait être fermé sans ménagement à la restauration, il n'empêche. Le Noir, promu gardien des tombeaux de Saint-Denis, avait joué un rôle d'éveilleur pour toute une génération. À côté de son activité de conservateur de musée, Alexandre le Noir avait tenté de rassembler toute une série d'objets liés au Moyen-Âge qu'il achetait au fil de ses déplacements. C'est ainsi qu'il avait découvert et acquis une statuette représentant un roi à cheval qu'il avait déniché chez un libraire messin. Nos pas vont donc nous conduire vers la ville lorraine pour tenter de répondre à la deuxième question, plus complexe celle-là, qui ? Avant de répondre à cette interrogation, faisons un point d'état. L'historien, ne l'oublions pas, est un scientifique. Il doit donc établir des faits avec méthode. Je vais montrer jusqu'à présent deux facettes de notre métier. Celle qui consiste à critiquer, au sens qu'Émile Littré dans son dictionnaire donne à ce verbe, c'est-à-dire faire un examen précis d'un document, quelle que soit la nature du dit document. Cette critique peut se fonder sur les éléments internes, principalement ici la couronne, et des éléments externes, les textes, qui permettent de remonter jusqu'à l'acquisition de la pièce en 1807 par Alexandre le Noir, chez un libraire à Metz. Le jeu de pistes qui doit nous permettre d'identifier notre cavalier et également de le dater avec une marge d'erreur aussi faible que possible vient de s'enrichir d'un nouvel indice. Cet indice, c'est Metz. La préfecture de l'actuel département de la Moselle a un passé glorieux. Siège d'une généralité d'ancien régime, elle a surtout été une ville clé de l'histoire européenne, ce que peu de nos contemporains savent, y compris les heureux habitants des bords du confluent de la Moselle et de la Seille. Mais c'est en effet la ville à partir de laquelle, entre le 7e et le 8e siècle, s'est construite la puissance d'une famille aristocratique, les Pipinides, dont Arnoul de Metz et Pépin l'Ancien jettent les bases, et c'est l'extension économique et surtout politique conduit leurs descendants, Pépin le Jeune,
a réunifié le monde franc et le fils de ce dernier, Charles Martel, aux portes du pouvoir. Portes qui sont franchies à la génération suivante par Pépin le Bref. Nous pourrions donc être face à la représentation d'un Carolingien. Sauf qu'entre l'accession de Pépin le Bref en 751 et la mort de Louis V en 987, c'est par dizaines, et je mets le mot au pluriel, c'est par dizaines que les descendants de Charles Martel ont été rois des Francs. Rois des Francs, rois d'Aquitaine, de Germanie, et je ne compte pas les empereurs. Bref, et je ne parle pas ici du seul Pépin, nous sommes guère avancés. Comment identifier notre inconnu? Deux possibilités. Nous avons de la chance, ou nous n'en avons pas. Nous avons de la chance, et dans les documents messins, nous trouvons une allusion à notre cavalier. Nous n'avons pas, nous n'en avons pas, et nous sommes contraints d'éplucher, comme dit vulgairement le langage de l'historien, mais le verbe dit bien ce qu'il veut dire, même si le couteau économe ne fait pas partie des attributs de l'historien, nous sommes contraints d'éplucher les actes des différents monarques médiévaux appartenant à la dynastie carolingienne pour tenter de mettre un nom sur notre statuette. Faisons un nouveau point d'étape pour tenter de définir les qualités requises pour le grand jeu de piste de l'histoire. Tout d'abord, nous avons vu comment il faut critiquer une source. Désormais, nous savons que l'historien doit faire preuve de ténacité et de patience. Nous avons de la chance. Il est fait mention de notre statuette dans les sources messines, très précisément dans les sources qui se rapportent au trésor de la cathédrale. Le trésor, c'est cet amas d'objets rassemblés à la fois pour décorer l'église et pour permettre le culte chrétien. Les trésors conservent en effet les ministeria et les ornamenta. Les ministeria, c'est-à-dire les objets nécessaires à l'exercice du culte catholique. Les ornamenta sont ceux qui lui donnent son faste. Notre statuette n'est ni un calice, ni une patène, ni un ciboire. Rien donc d'indispensable. Notre statuette fait donc partie des ornamenta. La chance semble nous sourire, car nous possédons une importante série de documents qui concernent le trésor de la cathédrale de Metz. Non content d'inventorier, de cataloguer les objets qui le composent, les chanoines de la cathédrale de Metz ont eu la bonne idée de nous dire à quoi servait cette statuette. Écoutons-les, et parce que je veux vous permettre de prendre contact avec votre futur métier et donc les sources de l'historien, j'ai gardé une première version du texte dans sa langue ancienne. Il se garde à la cathédrale une petite statuette d'argent et à cheval de ce grand empereur que le coutre porte au lectrier où elle demeure pendant la grand-messe. Après quoi, il la rapporte sur le même autel et le jour de son obite, on met une autre petite statue de bronze de même figure sur le même lectrier qui demeure là depuis les vigiles qui se chantent le jour précédent jusqu'à la fin de la messe. Et cette statue est accompagnée de quatre cierges qui brûlent nuit et jour. Voyons tout d'abord le vocabulaire pour être sûr de bien comprendre notre texte. Le coutre, c'est un officier, au sens ancien du terme, celui qui remplit une fonction, détient un office. C'est un officier qui a la garde de certains ornements. Aujourd'hui, nous dirions très probablement le sacristain. Le lectrier, c'est le lutrin. Vous savez, le meuble sur lequel on pose les textes. En tout cas, un meuble sur lequel on peut poser quelque chose. L'obite, voilà la chose importante. Car l'obituaire nous donne la date où l'on célèbre la mémoire des grands personnages. L'obite, c'est la messe anniversaire. Vous savez qu'au Moyen-Âge, l'anniversaire ne vise pas la date de naissance, mais la date de naissance à la vie éternelle. C'est donc la date de la mort. Et c'est le sens même du mot, puisque obit veut dire il est mort, il mourut, qui vient du verbe latin obire, mourir. Quant au vigile, le texte l'explique lui-même, ce sont les célébrations liturgiques qui débutent la veille d'une grande solennité. Relisons donc notre texte
en le mettant en français moderne. On conserve à la cathédrale une petite statue d'argent et à cheval de ce grand empereur que le sacristain porte au lutrin, où elle demeure pendant la grand-messe, après quoi il la reporte sur le même autel. Et le jour anniversaire de sa mort, on met une autre plus petite statue de bronze du même personnage sur le même lutrin, qui demeure là depuis la veille, les vigiles qui se chantent le jour précédent, jusqu'à la fin de la messe. Et cette statue est accompagnée de quatre cierges qui brûlent jour et nuit. Si nous regardons attentivement le texte, que nous apprend-il? Tout d'abord, il y a une statue en argent d'un empereur au trésor de la cathédrale de Metz. Mais notre statue n'est pas en argent. Il nous apprend en revanche qu'il y a une autre statue, en bronze, du même personnage, une statue en bronze. Cela pourrait bien être la nôtre, d'un grand empereur. Il suffit dès lors de savoir de quel empereur on célèbre avec solennité la mémoire dans la cathédrale de Metz pour identifier notre personnage. Si nous ouvrons l'obituaire de la cathédrale de Metz et que nous y cherchons un grand empereur, nous allons peut-être trouver notre personnage. Ah, un obituaire. Comme son nom l'indique, l'obituaire, qui est formé sur le mot obit, l'obituaire est un livre liturgique dans lequel, à chaque jour de l'année, est porté le nom de ceux pour lesquels on doit dire des intentions de prière, voire célébrer la messe. Tournons les feuillets et nous arrivons au 28 janvier, où est portée la mention « Obiit Carolus Magnus Imperator ». Charles, grand empereur, est mort. De toute façon, vous le saviez, le 28 janvier est la fête des étudiants et des lycéens. C'est donc la Saint-Charlemagne. Puisque, comme je l'ai raconté à vos aînés et comme vous l'avez peut-être vu sur YouTube, Charlemagne a inventé l'école et c'est pour ça qu'il est saint. Non, je vous rassure, c'est pas pour ça. Bon, donc notre enquête est terminée, notre statuette représente Charlemagne. Pour confirmer notre identification, comparons notre cavalier aux autres images que nous conservons de Charlemagne. Autant le dire, il n'y en a point, à moins de regarder les effigies monétaires. Nous en avons une. Donc, si notre Charlemagne ressemble au Charlemagne représenté sur les monnaies, tout ira bien. Sur les monnaies, Charlemagne est représenté en buste, l'orée vers la droite. Il est l'orée, couronné d'une couronne de laurier, comme un empereur romain. Et il ne tient pas le globe que porte notre cavalier. Quant à la couronne, visiblement, ce n'est pas une couronne de laurier. Donc, comme dirait les juristes, usurpation d'identité. Notre cavalier n'est pas Charlemagne. Alors, les mauvaises langues pourraient objecter que de toute façon, techniquement, au 8e siècle, il était impossible de réaliser de telles prouesses techniques. Voire, si nous regardons les balustrades de la chapelle palatine d'Aix, balustrade en bronze fondue pour Charlemagne. Si nous regardons les portes du Loup, fondues là encore pour le même empereur, toujours avec la chapelle. Si nous regardons surtout le trône dit de Dagobert, mais dont on sait aujourd'hui qu'il est le trône de Charlemagne, l'argument tombe de lui-même. Techniquement, c'est beaucoup plus difficile de fondre cette tête de panthère que de fondre la statuette équestre que nous avons vue. Mais si notre cavalier n'est pas Charlemagne, y aurait-il à Metz un autre personnage avec lequel on aurait pu le confondre? Avant de répondre à cette question, regardons si nous ne trouvons pas un monarque représenté avec une couronne, un globe, un manteau, et dont la physionomie pourrait nous rappeler celle de notre cavalier.
Nous en trouvons une première. C'est une plaque en ivoire sur un trône en ivoire lui aussi, conservé aujourd'hui à Rome, dans la basilique de Saint-Pierre, et désigné pour cette raison sous le nom de chaire de Saint-Pierre. Et ce personnage, l'accord se fait chez les historiens, peut être rapproché de cet autre personnage qui est dans un psautier conservé à la Bibliothèque nationale de France sous la cote, manuscrit latin 1152. Celui-là, il nous intéresse, car tous les attributs que porte le monarque sont ceux du cavalier messin. Et en plus, comme pour la chaire de Saint-Pierre, il y a quelques ressemblances physiques. Donc, si nous identifions ce personnage, nous pouvons peut-être identifier notre cavalier. Ce manuscrit, d'où vient-il? Il vient des collections de Colbert. Il vient des collections de Colbert, qu'il a ensuite légué à Louis XIV. La collection de Louis XIV est passée à la Bibliothèque royale, qui est passée à la Bibliothèque nationale de France. Et Colbert possédait plusieurs manuscrits en provenance de Metz. Et l'un d'eux pourrait bien être celui qui nous intéresse, car les chanoines évoquent, chanoines de Metz, toujours eux, évoquent, je cite, « La demande qui nous a été faite de sa part des heures de Saint-Charlemagne, nous vous les offrons. » Ce livre est un psautier. Un psautier, un recueil de psaumes, peut tout à fait être confondu avec un livre d'heures. Donc, pas d'impossibilité. En outre, il a appartenu à un Charles qui est nommé au folio 3 verso. Et comme il ressemble à la statuette, mon Dieu, la confusion est évidente. Il s'agit, très probablement, de Charlemagne. Eh bien non. Le Charles qui est là ne peut pas être Charlemagne. Pourquoi? Parce que dans ce manuscrit, au folio 172 verso, le roi demande à Dieu de conserver son épouse Ermentrude. Charlemagne, ici il est saint. Mais je dois avouer, mais je n'en dirai pas plus pour ne pas choquer les oreilles fragiles, et puis dans une aussi sainte maison que la nôtre, je ne peux pas. Charlemagne a eu une vie sentimentale agitée. Je m'en tiendrai pudiquement aux seules épouses. Et dans les épouses de Charlemagne, j'ai une Désidéria, Désirée. J'ai une Ermengarde. Mais je n'ai pas d'Ermentrude. Donc ça ne peut pas être Charlemagne. En revanche, j'ai une Ermentrude qui a épousé un Charles dans la famille carolingienne. Tout simplement, celle qui a épousé le petit-fils de Charlemagne, Charles le Chauve. Dans ces conditions, notre inconnu pourrait-il être Charles le Chauve? Si vous le voulez bien, croisons les sources. Deux attributs prouvent qu'il ne peut s'agir de Charlemagne. Tout d'abord, le globe. Le globe apparaît. Oh, attendez, pardonnez-moi. Le globe, qui est ici, n'apparaît pas avant un manuscrit, celui-là, qui date des années 825, donc 10 ans après la mort de Charlemagne. Ensuite, le type de couronne que nous avons sur le cavalier ne peut en aucun cas être la couronne de Charlemagne. Regardez cette couronne, c'est exactement la même que celle du psautier. Et le psautier date de manière incontestable des années 860. Donc tout ça nous ramène vers Charles le Chauve. Avec la question des attributs, nous venons de voir ce que la critique interne nous permet de tirer pour rejeter Charlemagne. La critique externe va consister à se demander si Charlemagne a eu des liens avec Metz. Les derniers actes promulgués à Metz ou au bénéfice des églises de Metz par Charlemagne datent de 788.
rien dans tous ces éléments qui permettent d'arguer de liens particuliers entre le grand empereur et la ville de ses ancêtres. Charles le Chauve, en revanche, a vécu un moment essentiel de sa vie politique dans la ville de Metz. En 869, il est venu y coiffer la couronne de roi de Lorraine, étape indispensable de sa conquête du titre impérial. Car, vous l'ignorez certainement, Charles le Chauve, dont le roman national fait le premier roi de France, Charles le Chauve s'est d'abord voulu empereur. Dans ces conditions, pourquoi a-t-il fait réaliser cette statue? La troisième question, pourquoi, ma troisième partie, la troisième question, pourquoi, est fondamentale en histoire, mais elle est aussi la plus délicate à poser. Tentons, si vous le voulez bien, de nous demander pourquoi Charles le Chauve s'est-il fait ainsi représenter. Pour le comprendre, il faut tout d'abord revenir à la statue équestre de Marc Aurèle. Le cheval est un symbole impérial et la représentation équestre est un privilège de l'empereur. Si Charles le Chauve se fait représenter à cheval, c'est donc une revendication politique d'une extrême importance dans l'Occident des années 860. C'est l'affirmation par celui qui est le dernier fils de Louis le Pieux, donc le dernier petit-fils de Charlemagne, c'est l'affirmation qu'il entend reprendre à son compte le projet politique de son grand-père. Mais il y a plus. La représentation équestre obéit à deux types de modèles. Il y a tout d'abord le modèle du prince au galop, lance baissée vers un ennemi vaincu qui montre le courage du prince victorieux. Pour cette raison, on l'appelle la virtus, pour faire simple, la vertu, mais la vertu, le courage, etc. Je vous en montre un exemple que vous pourrez aller voir au musée du Louvre, et il est situé non loin de notre cavalier. Il s'agit d'une image qui représente Justinien, l'empereur byzantin du VIe siècle, qui a tenté de reconstituer au VIe siècle l'Empire romain. Les bronziers qui ont réalisé la statuette de Charlemagne auraient fort bien pu choisir ce modèle. En effet, une statue de ce type était présente à Aix-la-Chapelle et elle représentait très certainement Théodoric, roi des Ostrogoths. L'autre type de représentation, plus paisible, est celle de l'Aduentus. L'Aduentus, c'est le cavalier qui arrive, le mot Aduentus signifie arriver, et c'est l'image de Marc Aurèle que les hommes du Moyen-Âge connaissaient, et ils prenaient ce Marc Aurèle pour une statue de Constantin, le premier empereur converti au christianisme, et de ce fait, modèle des rois et des empereurs du Moyen-Âge. Charles le Chauve savait ce qu'il faisait en se faisant ainsi représenter. Le message était fort. Celui qui n'était alors que roi des Francs de l'Ouest affirmait l'universalité de son pouvoir, dont le globe qu'il tient dans sa main gauche est l'autre symbole. Il rappelle, par l'image du cavalier paisible, de l'Aduentus, il rappelle que, comme Constantin et Charlemagne, il est l'empereur des Romains. Et ce n'est pas un hasard si cette image a été choisie par Charles le Chauve lorsqu'il s'est rendu à Metz pour y recevoir la couronne de roi de Lorraine, s'il a choisi d'offrir cette image à l'église de Metz où elle est coiffée la couronne de Lorraine. Il savait que recevoir la couronne de Lorraine était une étape indispensable sur la route qui le menait au trône impérial, et c'est pour cette raison qu'il a choisi cette image.
Et en même temps qu'il a emmené cette image, il a emmené cet autre manuscrit, son psautier, dans laquelle il apparaît dans une posture également très impériale. Le globe, la pourpre, autant de symboles forts du pouvoir impérial. Mais je parle, et je me dis que vous devez en avoir assez de m'écouter. Mais je dirais que, si mes étudiants étaient là, ils vous diraient que le plus important dans ce que je viens de vous dire n'est pas d'avoir identifié notre inconnu. Non, le plus important, c'est de vous avoir montré comment je l'ai identifié. Le plus important aussi était de comprendre à ce qu'il a à nous dire aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle. En cherchant à identifier ce personnage, je crois que j'ai rempli la mission de l'historien. L'historien, c'est d'abord celui qui mène l'enquête. C'est celui qui mène l'enquête, et je vous rappelle le sens du mot histoire en grec. Historia en grec, c'est la recherche, l'information. Et il y a toujours cet écart entre la traduction latine française du titre de celui dont Cicéron dit qu'il est le père de l'histoire, Hérodote, le père de l'histoire, son texte s'appelle Historia, l'enquête. Donc, menant l'enquête, j'ai fait mon métier d'historien. L'histoire, c'est établir des faits, qu'ils soient événementiels, économiques, ou comme ici, politique. L'histoire, c'est aussi percer les mécanismes idéologiques qui sous-tendent les documents sur lesquels nous travaillons. Si vous choisissez de faire de l'histoire, ce n'est pas pour travailler sur quelques vieux fourneaux et autres sépulcres blanchis. C'est pour vous permettre d'éclairer vos contemporains sur les faits passés qui restent souvent d'une actualité brûlante. Malheur aux peuples sans histoire, ils seront condamnés à revivre le passé. En 1991, le plus grand historien français de la fin du XXe siècle recevait la plus haute distinction scientifique, la grande médaille d'or du CNRS. Et il reprenait cette imprécation que l'on pourrait croire issue de la Bible. Malheur aux peuples sans histoire, ils seront condamnés à revivre le passé. J'ai très souvent entendu Jacques Le Goff, puisque c'est lui dont il s'agit, mon maître, nous rappeler cette ardente nécessité. Et je crois sincèrement que Jacques Le Goff aurait été heureux que je vous initie à notre métier. Je vous remercie. Si vous avez des questions, vous voulez qu'on revoie une image sur laquelle je suis passé un peu vite, n'hésitez pas, l'inspecteur va justifier pourquoi il accuse Charles Le Chauve d'avoir usurpé l'identité de son grand-père. D'ailleurs, et je ne plaisante qu'à moitié, je suis intimement persuadé, quand on sait à quel point Charles Le Chauve admirait son grand-père, dont il se voulait la réincarnation, il s'appelle Charles, et il a calqué sa vie sur ce modèle. Savoir que post-mortem, après sa mort, on a pris sa photo pour celle de son grand-père, je crois qu'il aurait été ravi. Alors, avez-vous des questions à poser, ou des questions plus générales à poser sur le métier d'historien, sur les études d'histoire? Je suis aussi là pour ça. N'hésitez pas, c'est parce que vous êtes filmé qu'il faut, en plus, vous ne vous voit pas, donc vous risquez rien. Personne? Mademoiselle. Comment avez-vous eu la vocation comment avez-vous eu la vocation d'être historien, et qu'est-ce qui vous
Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être historien spécialement Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être historien? Je dis toujours à mes étudiants de troisième année qui se posent des questions, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Est-ce qu'on part vers l'enseignement secondaire, primaire, la recherche, l'enseignement supérieur? Je leur réponds toujours, moi. Réponse dans 2 ans. Quand vous serez en fin de master, votre patron, donc votre directeur de master, vous dira si vous avez la carrure. Alors, le choix du métier d'historien se fait sur le tard. Celui des études d'histoire se fait tôt. C'est-à-dire que les études d'histoire, ben c'est maintenant qu'il faut le décider. Moi, qu'est-ce qui m'a décidé? Ouais, je vais lui rendre hommage, je l'ai dit publiquement à plusieurs reprises. C'est une professeure d'un grand lycée public parisien, le lycée Buffon. Elle s'appelait Gabrielle Sitsevich. Et comme je dis toujours, à son actif, elle en a deux. Puisque ceux d'entre vous dont les parents sont cultivés, leurs parents ont peut-être acheté le formidable livre sur la guerre sainte, paru chez Gallimard au mois d'avril de cette année, dans la bibliothèque des histoires. Livre écrit par un historien dont je suis infiniment proche, de Philippe Buc. Et Philippe Buc et moi-même avons eu la même professeure à 5 ans d'intervalle, Philippe est mon aîné. Nous avons eu la même professeure à 5 ans d'intervalle, et tous les deux, elle a décidé de notre vie, d'une certaine manière, puisque c'est sur son exemple, moi je sais très précisément que c'est l'année où je l'ai eu, que je me suis dit, je veux être prof d'histoire. Alors bien évidemment, j'allais décider, j'étais en 5e, j'avais entre 11 et 12 ans, je n'imaginais absolument pas que j'aurais un jour le privilège de devenir historien de métier, et de faire une vraie carrière d'historien et de chercheur. Ma passion, qui reste intacte, je le crois, mes étudiants pourront vous le confirmer, c'est d'abord enseigner l'histoire, partager le savoir. Ensuite, comment, pour répondre à la suite de votre question, comment devient-on historien, chercheur, savant, etc. Ben, c'est le cursus qui veut ça. Au bout de 3 ans, vous allez avoir le choix de partir vers un master recherche, ça a été mon cas. J'ai travaillé sur les documents que je viens de vous montrer, sur la statuette, sur le psautier de Charles Chauve, puisque j'ai commencé à travailler sur les images des monarques carolingiens. Et là, le mécanisme s'est enchaîné presque, je ne dis pas par hasard, mais un peu. J'ai fait un mémoire de maîtrise. Mon directeur de maîtrise à la Sorbonne, Olivier Guillot, a choisi d'inviter Jacques Le Goff lorsque j'ai soutenu, c'est-à-dire que j'ai défendu mon travail publiquement. Jacques Le Goff m'a fait l'honneur de penser que ce que je racontais n'était pas totalement idiot. Il m'a un peu adopté comme son élève, son disciple. Et j'ai eu la chance ensuite de devenir son collègue. Et donc, ben, le mécanisme s'est fait tout simplement l'équivalent d'un Master 2, puis une thèse de doctorat, une thèse d'école du Louvre, et les recrutements de l'enseignement supérieur. Donc bien évidemment, c'est une carrière longue, c'est un métier exigeant, mais c'est un métier passionnant. Je dis toujours que je suis historien de métier depuis 30 ans, j'enseigne à l'université depuis 22 ans, et je ne me suis jamais demandé le matin pourquoi je me levais. Même comme quand ce matin je me lève à pas d'heure pour venir faire mon séminaire de master et que j'ai vraiment pas eu le nombre d'heures réglementaires de sommeil, mais je peux vous dire une chose, je ne me demande jamais pourquoi je me lève et je crois que c'est le plus grand bonheur d'historien. Et puis, il y a une autre raison qui vient avec l'âge, avec le métier. Nous vivons un temps effroyablement compliqué. Et le métier d'historien permet d'avoir du recul sur l'époque que nous vivons. Et il permet, pour parodier contrebalancer une chanson de Léo Ferré, celle qui disait « Les temps sont difficiles ». Oui, les temps sont difficiles, mais l'historien, c'est que tous les temps sont difficiles. Et il nous permet, malgré le réchauffement climatique, malgré la menace terroriste, il permet d'être une prodigieuse leçon d'optimisme. Ça peut vous paraître paradoxal, mais l'historien, à mon avis, doit être et un sage qui regarde la cité, qui conseille le prince, qui dit, oui, là, à mon avis, ça va ne pas bien se passer parce que les mécanismes font généralement ça se passe mal. Mais c'est aussi une prodigieuse leçon de lucidité et d'optimisme sur l'époque dans laquelle nous vivons. Et un historien qui ne remplirait pas cette fonction sociale, j'ai souvent entendu Jacques Le Goff le dire, un historien qui ne remplirait pas cette fonction sociale ne ferait pas honneur à son métier. J'ai dit toujours que de toute façon, le meilleur moyen de faire des sciences politiques, au sens plein du terme, c'est de faire soit de la philosophie, soit de l'histoire, soit des deux. J'ai répondu à votre question, mademoiselle? Il me semble, oui. Y a-t-il monsieur, et puis mademoiselle? Et dans votre quotidien, vous enseignez évidemment à vos étudiants, mais donc
quelle est votre part du temps consacré à la recherche ou à la recherche de documents d'archives ou d'écriture de livres ou des choses comme ça? Alors, le statut des maîtres de conférences, des enseignants chercheurs de l'Institut catholique de Paris est 40% du temps de recherche, 60% du temps d'enseignement. Dans l'université publique, c'est 50%, au CNRS, 100%. Et je vais vous dire une chose, je me suis longtemps rêvé au CNRS. Puis, j'ai un jour une longue conversation avec mon bon maître Le Goff quand il a atteint l'âge de la retraite. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez, vous arrêtez l'enseignement? Et il m'a dit, je me serais bien arrêté. Et puis ma femme m'a dit, le contact des jeunes esprits va te manquer. Et au fond, je crois qu'elle a raison. Et je vais continuer à enseigner. Et Jacques Le Goff a continué très longtemps. Il avait plus de 70 ans quand il a arrêté de faire son séminaire. Et l'enseignement, tant qu'on n'y a pas touché, on ne sait pas si on est fait pour. Moi, je dis aujourd'hui, j'ai adoré la recherche. J'aime beaucoup écrire, je continue à le faire régulièrement, ne serait-ce qu'à cause de mes fonctions au sein de la revue d'histoire. Et puis, avec des obligations scientifiques qui sont les miennes. Mais je dois avouer que la recherche dans l'enseignement dont on peut penser qu'il est un temps pris sur la recherche, ce n'est pas vrai. D'abord parce que former de jeunes esprits qui seront ensuite votre équipe de recherche, j'ai le privilège d'être à ce stade de mon métier où j'ai une petite équipe de recherche, ils sont une grosse dizaine aujourd'hui, mais je pense qu'ils vont encore être une grosse dizaine dans les années à venir. Donc je quitterai la piste avec entre 20 et 30 chercheurs que j'aurai vraiment formés, qui continueront à travailler sur mes pistes. C'est un bonheur extraordinaire. Donc, voilà. Donc, j'ai répondu à votre question. Voilà. Il ne faut pas voir l'enseignement comme du temps pris sur la recherche. Ce n'est pas vrai. Et en plus, quand on relit les textes avec les étudiants, parce que toute une partie de notre travail, moi, sur une semaine de cours, je vais avoir au moins la moitié des séances qui vont être consacrées à l'étude de documents avec des étudiants, que ce soit en séminaire, que ce soit même en travaux dirigés. Il arrive parfois, je pense ici à un texte que je croyais connaître, et mes étudiants, qui connaissent mes marottes, ont voulu me montrer un truc parce que c'était ma marotte. Je me suis dit, mais non. J'ai résisté, puis à la fin, j'ai compris qu'ils avaient raison. Et donc, ce sont mes étudiants qui m'ont permis de découvrir des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Mademoiselle. Faut-il forcément aimer toutes les différentes périodes de l'histoire pour décider de travailler en tant qu'historien ou en tant que professeur? Alors, je vais être brutal. Nous sommes à l'exception, scandaleuse, je reconnais, des maîtres de conférences et des professeurs des universités qui, eux, travaillent sur leur période privilégiée. Si vous êtes enseignant dans le secondaire, vous enseignerez toutes les périodes. Et je vous dis une chose, un vrai historien, quelqu'un qui est pleinement historien, même s'il est médiéviste, doit continuer à lire autre chose. Je vais vous faire sourire, je ne dis pas que je lis plus l'histoire contemporaine que l'histoire médiévale, mais presque. C'est-à-dire que je lis beaucoup de textes, je regarde beaucoup de sources médiévales, mais je ne dis pas dès que j'ai 5 minutes, mais presque. Sur ma table de chevet, à la campagne, j'ai par exemple un livre sur Colbert. Dans mon cartable, pour lire dans le métro, il n'est pas tout neuf, parce qu'il a 2-3 ans je crois, j'ai un livre de Pierre Birnbaum sur Léon Blum. Vous voyez? Donc, je continue. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas d'histoire antique, il n'y a pas d'histoire ancienne. Oui. Sauf que quand on fait du Moyen-Âge, surtout le Moyen-Âge de Charlemagne, on est tellement proche chronologiquement d'histoire ancienne qu'on en lit obligatoirement pour des raisons professionnelles. Et c'est une chose que j'ai souvent dite à mes étudiants et que nos maîtres nous répétaient souvent, plus vous vous spécialiserez, plus il faut continuer à voir ce qui se passe dans les autres disciplines. Alors en plus, j'ai eu le privilège pendant 6 ans d'être à la tête d'une revue scientifique, donc d'abord numéro 2 de la rédaction, puis numéro 1. Donc ça m'a amené à lire énormément de textes, tout ce qui passait. Je faisais un point d'honneur à lire tous les textes qui passaient pour la revue, puisque à la fin de la fin, directeur éditorial, c'était votre serviteur, donc j'étais responsable. S'il y avait des bêtises, il fallait que j'assume. Donc je les ai tous lus, et comme je dis, je regrette ce travail de lecture transversale, parce que ça m'a amené à beaucoup réfléchir. Je dis toujours que ma manière de pratiquer l'histoire politique du Moyen-Âge, je pense que vous avez compris que c'était mon fonds de commerce, et ma manière de pratiquer l'histoire politique du Moyen-Âge doit beaucoup aux historiens contemporanéistes avec qui j'ai beaucoup appris. Mais aussi évidemment aux anthropologues, mais ça c'est une autre histoire. Donc, il vaut mieux aimer toutes les périodes. D'abord parce que en premier cycle, vous allez prendre toutes les périodes, c'est obligatoire. Et quand vous deviendrez historien de métier, vous mesurerez ce que la richesse des autres périodes vous a permis d'apprendre et de comprendre sur votre propre période. Et je vais vous raconter une anecdote. C'était dans la revue L'Histoire, 1990 je crois, mars 90, quelque chose de goût là. Il y a eu un sondage sur les lectures des historiens professionnels.
Et je dois avouer que nous fûmes fort fiers, parce que les trois livres qui sortaient en tête étaient des livres de médiévistes, et celui qui était le plus souvent cité était La civilisation de l'Occident médiéval de Jacques Le Goff, ce qui avait grandement flatté, non pas l'ego de Jacques Le Goff, qui était un modèle de modestie, mais de tout son entourage. On était très fiers que ce soit notre patron le meilleur. Mais ça veut dire quelque chose, si vous voulez. Et voilà, moi je dois beaucoup, je l'ai toujours dit, je dois aussi beaucoup à des travaux sur le nazisme, je dois beaucoup à des travaux sur, je pense, à des travaux sur la représentation de François Ier. Voilà, c'est un historien qui se limiterait à sa seule période, quelque part, c'est pas un historien. Y a-t-il d'autres questions ? S'il y a des questions que vous ne voulez pas poser publiquement, je peux encore tout à fait vous consacrer un quart d'heure dans le couloir pour des entretiens en particulier. Voilà, jeunes gens. Question encore, je vois une voix qui se lève, non ? Non ? Bon.